Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand Allah Ta'ala parle en disant nous, le pronom nous, qu'est-ce que cela désigne? Ça désigne lui, subhanahu wa ta'ala. Nous, c'est le pronom de royauté. Hein? Ça ne signifie pas Allah et les anges, ou Allah et un quelconque associé, puisqu'on sait « La ilaha illallah wahdahu la sharika la ». Plutôt Allah il dit nous, na'am, parce que c'est le roi des rois. Donc c'est, na'am, ce pronom de royauté qui est ici le plus à même d'être attribué à Allah Azzawajal. On sait qu'il y a des rois, notamment des rois de France, comme on a pu l'apprendre, etc., qui employaient ce mot-là. Ils disaient « Nous allons aller au jardin, nous allons aller à table ». Mais il ne disait pas lui et ses gens. Il parlait que de lui-même, parce que c'est le roi. Voilà. Il dit « Nous » comme ça, une manière de s'élever. Mais eux, ils n'en sont pas dignes, bien évidemment. Allah Azzawajal est digne de louange, est digne de royauté. Donc, il emploie ce pronom-là, « Nous », qui le désigne, lui seul. تبارك وتعالى والله أعلم.